17h25, ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Bon, comme il y a des averses, des éclaircies, des averses, des éclaircies, bon, j'ai quand même fait des pauses. Et puis, je vais pas tout mettre. Parce que si jamais il y avait encore des nuits trop fraîches, voire dégelées, on sait jamais. Bon, les haricots, je m'en fous un peu parce que j'en ai plein d'autres. Par contre, les ricins, je ne vais pas tout mettre. Bon, j'en ai mis. Bon, de ci, de là. De tout, d'ailleurs. J'ai remis quelques haricots par là. Capucine. On verra bien si ça pousse ensemble ou pas. Il y a de la fourmi. Capucine. Hop, ici. Pop, 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 pop. Là, c'est quoi ça? Je suis pas sûr. Donc voilà, j'ai remis des haricots, il y a de l'oignon. Et je pense qu'il y a une averse qui arrive. J'ai pas mis de ricin par là. Ah. Bon, je vais peut-être en mettre un quand même. Ricin, ricin. Bon, j'en ai mis un là. De toute façon, il va flotter. Ça sert à rien que je mette un arrosoir de flotte. Je crois même que j'en ai mis aussi parmi les fraisiers. Ouais. Il va falloir que je repasse les nettoyer dans pas longtemps. Certains d'ailleurs ont commencé à lancer des ramifications. Déjà, alors j'ai de la fleur, mais je vois pas beaucoup de fruits. Hein. Bon, alors je me les fais bouffer au fur et à mesure. Pourtant, là, si jamais ça donne, waouh, rien à voir. Hein, je vais faire une cure de fraises. Petit crucifère, pop, 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 pop. Il me semblait que j'avais mis du ricin aussi par là. Bah alors. Bah j'ai dû, non, ça doit être là-bas. Oh, ce magnifique trou de râteau-pied. Que je prépare une bassine de laine, l'huile de ricin, poivre gris moulu. Bon, bref. Ah, l'oseille. Et puis. Ah, c'est la jungle un peu là-dedans. Ouais, j'ai besoin de remettre là aussi. Parce que le plus beau ricin que j'ai eu l'année dernière, c'était celui-ci. Et pourtant, je l'ai planté en même temps que les autres. Et il a prospéré beaucoup mieux. Bon, les asperges, rien. Donc là, je vais pouvoir mettre autre chose. Apparemment, c'est tout crevé. J'aurais dû protéger. Bon, tant pis. Je suis revenu mettre des trucs ici aussi. Haricots. Ricin. Capucine. Je me bats avec les fourmis. Alors, les grosses, encore ça va. C'est les petites, là. Celle-ci, les petites rouges là, elles sont douées pour rentrer dans le pantalon. J'ai sorti mes outils préférés, avec lesquels je dégage d'énormes touffes de plantes. Je sais plus ce que c'est ça. Oh, la mémoire. En même temps, depuis que je suis en creuse, j'en apprends tellement que j'arrive pas à suivre. Enfin, ma mémoire n'arrive pas à suivre. J'ai sorti aussi la binette de compète que j'ai passée à la pierre pour pouvoir racler mes abords de bâche parce que j'ai tendance à laisser un peu trop faire et après ça me bouffe ma bâche et l'herbe elle arrive à passer des racines comme là même à travers quoi. Bon, en même temps faut que je fasse gaffe avec la binette de ne pas déchirer la bâche qui commence à être un peu cuite aussi. Ah bah ça y est, il pleut. Bon bah voilà, je voulais pas faire ça aujourd'hui, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des touffes d'herbe vraiment très importantes. Bon bah la plus grosse, je l'ai retirée. Elle était vraiment balèze.
il a fallu vraiment que j'aille piocher avec la la petite faucille de poche là, la serpette, qui est pas prévue pour ça, mais bon, elle a l'air de tenir. J'en mettrai bientôt une autre en stock, je pense. C'est vraiment pas mal ça. Bon bah voilà. Et donc les pieds de maïs de l'année dernière, là c'est bon, ils ont bien pourri, donc ils viennent bien. Au fur et à mesure, je les mets sur mon espèce de haie roncier volontaire. C'est bon, il peut finir par en avoir une tondeuse. Donc si je laisse traîner ça là, ça va pas être bon. Bon, parce qu'il est probable quand même que je remette du maïs. Puisque bon, là c'est sur les deux. Ouais, ce sont ces deux bâches où vraiment ça pousse. Je suppose qu'il y a de l'eau qui passe quelque part par là. Ou bien il y a très peu de profondeur de terre. En dessous, c'est un énorme caillou et la flotte passe entre la terre et le caillou. Parce que vraiment ici, j'ai des résultats que je n'ai pas à 1 mètre par là ou à quelques mètres par là. Donc bon bah voilà. Ricin. Bon bah je continue. Parti sur ma lancée. Ciao.